C'est Grégory Bourdi qui, ce matin, s'y est collé le premier. Et d'emblée, les choses se sont plutôt bien goupillées. Un premier birdie au 5 pour un passage à l'aller en moins 1, avec néanmoins une petite alerte dans un domaine spécifique. Je suis resté surtout très patient en putting parce que ça rentrait pas trop en début de partie et pourtant je me mettais pas trop loin des drapeaux et je mets les putts au 17 et au 18 donc je termine sur des bonnes notes, en tout cas au putting. Deux birdies et un bogey plus tard, ce sera une carte de moins 2 qui fait de lui ce soir un solide 14e du classement. Départ réussi dans un tournoi qui pourrait effacer les frustrations de l'année écoulée. Car Grégory Bourdi n'a pas gagné cette année et il n'a pas non plus pu tenir ce souhait qu'il nous exprimait au mois de février dernier. Même si le golf c'est une vraie passion et que je prends du plaisir pratiquement toute l'année, mon rêve, mon but c'est de remporter des épreuves majeures. Donc c'est plus j'en jouerai et plus j'aurai de bons moments là, dans ces tournois-là et mieux ce sera et en tout cas plus je serai content. Non, même si c'est vraiment un très gros tournoi, un des plus gros, je pense, au monde ici à Dubaï, les majeurs sont quand même au-dessus. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir participer aux 4 la même année. Il y a un bon moyen déjà de s'assurer des majeurs l'an prochain, c'est de faire un très très bon résultat ici. Oui, l'idéal c'est de finir dans le top 30 européen. C'était mon objectif en début de saison. Ça permet de rentrer au British Open directement et puis aussi peut-être aussi à l'USPGA directement. Donc y a, je pense, en faisant une très grosse perf ici, je peux espérer intégrer ce top 30. Thomas Levet était ce matin le deuxième Français sur le parcours et c'est lui qui va rejoindre Greg Bourdi à la 14e place. Carte de moins 2, sans bogey pour Thomas. Une partie du travail est faite, celle qui consiste à ne pas d'emblée se faire décrocher. La 5e place du classement n'est qu'à 2 coups. Le genre de première journée pour lequel on signe tout de suite. Ça va faire un résultat plutôt pas mal et c'est vrai que je suis au contact. Il faut garder le contact et puis après, si on arrive à être à un ou deux points des leaders et le dernier jour, on ne sait jamais. Exactement, ouais. Grâce à un joli finish, deux birdies sur les 3 derniers trous, Grégory Avray intègre lui aussi la première moitié du tableau. Raphaël Jacquelin, pour sa part, joue aujourd'hui plus 2. Il est ce soir 42e.